Regarde ce qui vient d'arriver, l'édition limitée des Christian Louboutin. La commission de vente doit être incroyable. Ouais. Waouh. Elles sont vraiment belles. Si quelqu'un peut les vendre ici, ce sera moi. Ne sois pas offensé. Excusez-moi, bonjour. Oh, attendez, ce sont les nouvelles Christian Louboutin? Désolée, mais c'est des chaussures à 1 500 $. C'est peut-être au-dessus de votre budget. Et il ne nous reste que du 37. Oh, eh bien, en fait, c'est ma pointure. Vous pensez que je peux les essayer? Regardez, je ne veux pas être impolie, mais c'est juste que je n'ai pas envie de perdre mon temps. Il y a une friperie pas... Pas de souci, madame. Vous pouvez les essayer. Ok, super. Je vous ramène des chaussettes en nylon. Oh, merci. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi la laisser les essayer? Elle ne peut clairement pas se le permettre. Eh bien, les apparences sont parfois trompeuses. Tu ne devrais pas juger trop vite. Regarde, je sais qui achète et qui n'achète pas. Elle va juste les essayer, prendre une photo pour son Instagram et partir, comme tout le monde. Tu es en train de perdre ton temps. Oh mon Dieu. Elles sont magnifiques. Auriez-vous un peu d'eau par hasard? Ma bouche est vraiment sèche. Je suis désolée. Nous n'en avons pas. Et pouvez-vous ne pas les toucher? Je dois les garder propres pour la prochaine personne. Vous savez, quelqu'un qui peut se les payer. Bonjour. Est-ce que vous auriez la nouvelle édition limitée des Louboutin qui vient de sortir? Oh, bonjour, bienvenue madame. Oui, bien sûr, mais nous n'avons qu'une paire en 37. Parfait, c'est exactement ma pointure. Parfait. Elles sont magnifiques. Voudriez-vous les essayer? Non, ce ne sera pas nécessaire. Je les prends. Oh, waouh. Ok, c'est super. Vous serez très belle dedans. D'accord, j'ai trouvé des chaussettes. Merci d'avoir attendu. Cela ne sera pas nécessaire. Cette dame va les acheter, n'est-ce pas, madame? Tout à fait. J'ai vraiment hâte de les porter. Passons donc à la caisse. La prochaine fois, suis mon conseil et ne perds pas ton temps avec des gens qui n'ont clairement pas les moyens. Peut-être qu'alors tu pourras vendre une paire de chaussures. Je suis vraiment désolée pour ça. Ça fait rien. Ce n'est pas de votre faute. Nous avons reçu de nouvelles chaussures qui pourraient vous plaire. Voudriez-vous les voir? Bien sûr. Ce serait parfait. Merci. Je vous en prie. Bien sûr. Voici de l'eau pour vous. Ces chaussures sont juste parfaites avec votre tenue. Vous avez la robe, le nouveau sac Gucci et maintenant les chaussures qui complètent le tout. Tout le monde saura que vous êtes riche. Vous avez tout compris. C'est l'objectif, non? Tenez, prenez cette carte. Ok, super. Ce sera 1 645 $ avec carte bancaire. Elles viennent d'arriver d'Italie et elles sont faites main. Waouh! Ce serait magnifique. Ouais. Je pense qu'elles vous iront à merveille. Oh, merci. Ouais. Vous savez, ce magasin a besoin de personnes aimables comme vous. Merci. J'essaie de traiter tout le monde de la même manière, peu importe qui c'est. Elles ne passent pas, c'est bizarre. Je vais réessayer. Parfois, ces lecteurs ne marchent pas. Est-ce qu'il y a un problème? En fait, votre carte bancaire ne semble pas fonctionner. Vous voulez essayer une autre? Non, c'est la seule que j'ai. Vous pouvez réessayer? Je dois absolument poster ces chaussures sur Instagram pour qu'on pense que je suis riche. Malheureusement, ça ne marche toujours pas. Mais pas de souci, vous pouvez payer en espèces. Il y a une banque à côté si vous avez besoin de liquide. Du liquide? Non, je n'ai pas autant d'argent sur mon compte bancaire. C'est pour ça que je voulais payer par carte. Que voulez-vous dire? Vous tenez un sac Gucci, vous pouvez certainement vous le permettre. Regardez, ne le dites à personne. Il est vide en fait. Je l'ai emprunté à une amie. Mais pensez-vous que je peux essayer les chaussures? Pour, vous savez, Instagram. Oh, salut, t'es là? Comment ça s'est passé? Ça n'a pas marché.
Sa carte de crédit a été refusée. Elle a pris une photo et est partie. Oh, wow. Je suis vraiment désolé. Je vais les acheter. Vraiment? Je veux dire, bien sûr, je vais vous les emballer. Attendez, regardez, sans vous offenser, mais si la carte de crédit de ma cliente n'est pas passée, c'est sûr que la vôtre ne passera pas. Donc pas la peine de perdre du temps. Carte de crédit? Qui a parlé de carte de crédit? Je paye en liquide. Attendez, où avez-vous eu tout cet argent? Eh bien, j'ai ma propre entreprise en plein essor et j'étais au salon de manucure. C'est pour ça que je suis habillée comme ça. Ah, en tout cas, je vais prendre en 37 tous les modèles que vous m'avez montrés. Si cela ne vous embête pas. Waouh, cela semble parfait. Asseyez-vous pendant que je vous les emballe pour vous. Merci. Je vous en prie. Excusez-moi. Oh, hey. La prochaine fois, rappelle-toi, les apparences sont trompeuses. Ne juge pas trop vite. Et peut-être que tu pourras vendre des chaussures. Oh mon Dieu, Alison Day ? Je te suis sur TikTok, je peux prendre une photo ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Waouh, elle est magnifique. Oh, et c'est ma taille. Excusez-moi. Je voudrais l'essayer, s'il vous plaît. Est-ce que ta maman est avec toi? Ou quelqu'un qui peut payer? Non, je suis seule. Pourquoi? C'est une boutique de vêtements haut de gamme. Des personnes célèbres font leurs achats ici et la robe coûte 1 200 $. Ce qui pourrait être hors de ta gamme de prix. D'accord, c'est pas un problème. J'ai toujours envie de l'essayer. Écoute, je n'ai vraiment pas envie de perdre mon temps. Va à Forever 21. Ou à un autre magasin bon marché. Bonjour, madame. Salut, je n'ai pas beaucoup de temps. Je recherche une robe spéciale qui taille petit et qui se démarque vraiment. Ah, eh bien, que pensez-vous de celle-ci? Elle fait partie de notre collection de luxe, mais à en juger par votre apparence, j'imagine que vous pouvez vous le permettre. Waouh! Oui, c'est parfait en fait. Je vais la prendre. Super! Je vous rejoins en caisse. Bien sûr. En bas de la rue à gauche. Excusez-moi. Le Forever 21. Je suis sûre qu'ils ont quelque chose que tu peux acheter. Je t'ai dit qu'elle serait là. Waouh, j'arrive pas à croire que c'est vraiment toi. On peut prendre une photo? Oui, bien sûr. Vous allez être le centre d'attention en portant cette robe. Tout le monde va penser que vous êtes célèbre. Ah, oui, c'est exactement le look que je recherche. Très bien. Ça vous fera un total de 1 320 $, taxes comprises. Oui. Vous pouvez utiliser cette carte. Super. Mes amis ne vont pas y croire. Merci beaucoup. Pas de souci. En fait, comment vous saviez que j'étais là? C'est sur Twitter, regarde. Tout le monde sait que tu es là. Ça ne passe pas. Je vais essayer à nouveau. Est-ce que ça marche? Parce que j'ai vraiment besoin de cette robe. Cela ne fonctionne toujours pas. Vous avez une autre carte pour essayer? Non, c'est la seule que j'ai. Voudriez-vous payer en liquide? Il y a un distributeur juste à côté. Non, je n'ai pas autant d'argent. C'est pourquoi je voulais utiliser la carte de crédit. Vous pouvez me dire où se trouve le Forever 21 le plus proche? Bien sûr. En bas de la rue, à gauche. Alison! Qui veut y aller en premier? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi
prennent-elles des photos? Vous ne savez pas qui c'est? C'est Alison Dare. Elle a 25 millions d'abonnés sur TikTok. Elle est célèbre, du coup? Elle est multimillionnaire. J'arrive pas à croire que vous la connaissez pas. Excuse-moi, Alison. Tu veux toujours essayer la robe? Oh. En fait, non merci. Je vais aller à Forever 21 parce que c'est l'endroit idéal pour mon budget. Mon Dieu! Gail? Gail Armstrong? Amber! Oui, ça fait une éternité! Alors, quoi de neuf? Tu sors toujours avec ce mec, André? Ouais! D'ailleurs, c'est mon fiancé maintenant. On vient de se fiancer. Il sera là dans une minute. Waouh! C'est ta bague de fiançailles? Il n'y a même pas un diamant dedans. C'est bon marché! Eh bien, André m'a dit qu'il allait m'offrir une meilleure bague, mais j'arrête pas de lui dire que c'est pas nécessaire. Personnellement, je ne dirais jamais oui à cette bague. Tu devrais le laisser tomber et opter pour un gars qui a déjà du succès, comme j'ai fait. Comme ça, tu ne patienteras pas pour recevoir une bague comme celle-ci. Tu t'es fiancée aussi? Oui, ah. C'est un diamant VVS de 5 carats. C'est l'une des pierres les plus chères. Mon fiancé, Derek, a beaucoup d'argent. En tout cas, elle est vraiment magnifique. N'est-ce pas? On peut simplement pas refuser en voyant la taille de la bague. Bref, que fais-tu ici, à côté des studios d'Arman? Ben, je suis en train d'attendre André. Il travaille ici en tant qu'assistant de production. Quoi? Un AP? Il ne gagne pas seulement 40 000 dollars par an. Pourquoi voudrais-tu être avec un gars comme lui? Ça me dérange pas, en fait. Eh bien, ça devrait. Derek travaille ici, mais il est directeur principal et son salaire dépasse les 6 chiffres par an. Waouh. C'est génial. L'objectif d'André est de devenir directeur principal un jour aussi. Chérie, laisse-moi te donner un conseil. Au lieu d'attendre qu'un homme soit prospère, sors avec celui qui l'est déjà. Je veux dire, c'est le truc. Eh bien, je n'ai jamais... vraiment pensé comme ça. J'ai toujours cru qu'il fallait soutenir quelqu'un même s'il n'avait rien du tout. Parce qu'un jour, bah, il aura tout. Tu n'es pas sérieuse. Écoute, je vais te montrer un truc. Tu vois cette voiture là-bas? C'est le nouveau Lamborghini Urus. Derek vient de l'acheter. Que conduit André? Oh, eh bien... ce n'est rien de spécial, juste. Il est garé ici. Cette vieille Mazda cabossée? Non mais tu rigoles! Je préfère mourir que d'être vue dans ce truc tout pourri! Tu devrais rompre avec lui immédiatement. Salut bébé! Tu ne vas pas le croire! Hé chérie, c'est quoi? Tu sais cette promotion dont je te parlais? Ouais? Eh bien je l'ai eue! Oh mon Dieu! Tu es maintenant face au nouveau directeur principal des studios d'Arman. Oh mon Dieu, chérie, c'est super. Je savais que tu l'aurais. Je suis tellement fière de toi. Merci. Mais je n'aurais pas pu le faire sans toi. Et c'est pourquoi j'ai décidé de t'offrir la bague que tu mérites vraiment. Alors laisse-moi réessayer. Gail Armstrong, veux-tu m'épouser? Oh mon Dieu, André, bien sûr. Oh mon Dieu. Merci, chérie. Je t'en prie. J'étais contente de lancer une bague. Je sais. Et c'est pour ça que je t'aime tant, Gail. Tu as cru en moi quand je n'avais rien. Alors maintenant, je veux tout te donner. Oh, merci bébé, t'es le meilleur mari du monde. Et j'ai une autre surprise. Tu sais, cette vieille voiture que je conduis depuis la fac? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tu n'auras plus besoin de la conduire. Parce qu'avec ma prime à la signature,
J'ai aussi acheté une nouvelle voiture. Oh mon Dieu, mes chéris. Mais j'étais bien avec la vieille voiture. Je sais, je sais. Mais beaucoup de choses vont changer maintenant. Allez, je veux que tu la conduises d'abord. Ok. Merci, bébé. Je t'en prie. Allez, on y va. C'était sympa de te voir, Amber. Bonne chance pour tout. Peu importe. Te voilà. Ah, je suis tombée sur cette fille de l'université qui essayait de se la raconter. Nous devons aller acheter une Rolls-Royce maintenant. Oh, en fait... Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as l'air si stressée? Eh bien, tu vas pas le croire, mais je viens de perdre mon job. Quoi? J'utilisais la carte de l'entreprise pour payer certaines dépenses personnelles et ils viennent de le découvrir, alors ils m'ont viré. Ah! Derek! Comment as-tu pu faire une chose aussi stupide? Eh bien, à quoi tu t'attendais? C'est pas facile de se permettre toutes les choses chères que tu veux, hein? Ah! Je ne peux pas croire ça! Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais devoir vendre ma Lamborghini. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai toujours ma vieille Mazda. Quoi? Certainement pas! Je ne peux pas être vue dedans, Derek! Eh ben, on n'a pas le choix. Et nous allons aussi devoir vendre ta bague de fiançailles. Pour rembourser une partie de ma dette. Quoi? Je ne peux pas croire ça! Vendre ma bague! Gloria, la cuisine est dégoûtante. Tu l'as toujours pas nettoyée? Je suis vraiment désolée, Madame Jacobs. J'étais très occupée aujourd'hui. Je vais le nettoyer tout de suite. Tout de suite. On se demande bien pourquoi mon mari vous paye, d'ailleurs. Maman, je peux avoir du jus de fruits? Bien sûr, chérie. Gloria, vous n'avez toujours pas fait la vaisselle? Sérieusement, qu'est-ce que vous avez fait de toute la journée? Je suis vraiment désolée, madame. Je travaille aussi vite que je peux. Eh bien, il faudrait faire un peu plus vite, alors. Oh, super, maintenant je suis en retard pour le yoga. Servez du jus à Jamie quand vous aurez fini, d'accord? Oui, oui, madame. Vous avez vu mon pantalon de yoga? Le linge n'est pas fait non plus? Je suis vraiment désolée, madame. Je suis vraiment désolée. J'étais sur le point de m'en occuper après. J'ai été tellement occupée. Occupée? Et à faire quoi? Bon sang, c'est si difficile de s'occuper d'une maison. Eh bien, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air, madame. Ce matin, j'ai préparé le petit déjeuner. Et j'ai repassé les vêtements. Vous ne faites que trouver des excuses. Maman, j'ai vraiment soif. Je vais te la porter dans ta chambre, Jamie. Oh. Je vais faire la vaisselle moi-même. Sérieusement, c'est quoi l'intérêt de vous avoir ici? Oh... Non. Je peux le faire, madame. Je peux le faire. Vous savez quoi? Vous pouvez simplement partir. Oui, c'est bon. Vous êtes virée. Oh. Oh. Non, madame. Pitié. Ne faites pas ça. J'ai vraiment besoin de ce travail. Fallait y penser avant, parce que là, c'est une catastrophe. Je... Maintenant, dehors! On n'a plus besoin de vous. Hé, hey, chérie. Tu fais la vaisselle? C'est pas à Gloria de le faire? Oui, sauf que j'ai dû la renvoyer. Tu as fait quoi? Mais alors, qui va s'occuper de la maison? Il suffit d'engager une autre femme de ménage. Le travail n'est pas si difficile. Eh bien, on ne peut pas vraiment savoir avant d'avoir essayé soi-même. Pourquoi ne pas essayer? D'accord, ça peut pas être si difficile que ça. Maintenant que Gloria n'est plus là, elle va se rendre compte à quel point il est difficile de s'occuper d'une maison.
Elle essaie de préparer le petit déjeuner pour son mari, mais finit par le brûler. Elle essaie de faire la lessive et de s'occuper des habits, mais elle n'y arrive pas. Elle fait le lit, gonfle les oreillers et range toute la chambre. Elle balaye le sol, passe l'aspirateur sur la moquette et nettoie tous les comptoirs. La journée vient à peine de commencer et elle est déjà épuisée. Maman, je peux avoir du jus de fruits ? Bien sûr, chérie. Qu'est-ce qu'il y a, maman ? C'est rien, c'est rien du tout. Mon cœur ? Tu t'en sors ? C'est terrible. J'avais pas réalisé à quel point c'était difficile de s'occuper d'une maison. Je m'en doutais un peu. Voilà quelqu'un que tu seras heureuse de revoir, je pense. Gloria ! Oh mon Dieu ! Merci, mon Dieu, vous êtes là. Écoutez, je suis vraiment, vraiment désolée pour la façon dont je vous ai traité. Vous pouvez me pardonner. Bien sûr que je peux. Merci, je savais pas combien votre travail était dur jusqu'à ce que je le fasse moi-même. Alors, je vous promets que dorénavant, je respecterai beaucoup plus ce que vous faites. Oh. Cela me touche énormément, Madame Jacobs. Vous voulez de l'aide pour faire cette vaisselle ? Oh oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît.